Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CIP TV, chaîne officielle du Salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI de Casablanca. Et comme vous pouvez le constater sur ce plateau, nous avons mis de la couleur. Pourquoi de la couleur? Parce que nous avons parmi nous une artiste peintre en la présence de Madame Rim Sbahi. Bonjour. Bonjour Tarek. Donc c'est pas la première fois que vous êtes sur le CIP TV? Non, c'est la deuxième fois et ça me fait énormément plaisir. Alors d'ailleurs, je tiens à le mentionner, vous êtes la seule artiste peintre présente donc sous la forme d'une galerie, d'exposition, et on peut découvrir ces œuvres qui sont en même temps des tableaux, mais aussi des objets décoratifs qui sont peints, parce que la décoration fait partie aussi du secteur qui est représenté lors du Salon international du bâtiment. À mes côtés aussi, Madame Zineb Ajebar, architecte DEA HMNONP. Je l'ai bien dit. HMONP. HMNP. Voilà. Faut être rapide. On va y arriver. Voilà, c'est un peu d'entraînement, ce qui est normal. En tout cas, Zineb Ajebar, ravie de vous avoir parmi nous. Moi aussi. Alors, contente. On tient à le mentionner. Grande surprise, ce n'est pas une grande surprise, mais sur ce Salon international du bâtiment, forte présence, forte participation des femmes dans différents secteurs, pas seulement dans le domaine de l'architecture, mais aussi dans le génie civil, dans pratiquement tous les stands, on a une forte présence féminine à travers aussi le CIP Woman qui est la nouveauté aussi de ce salon. Alors, pour parler un peu d'architecture, il y a beaucoup de femmes dans le milieu architecte. Oui. Ça, c'est un phénomène c'est très qui ne date pas d'hier. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce domaine? C'est une passion. C'est une passion que je vis depuis longtemps. Et c'est une passion pour la complexité, pour l'art, pour des choses qui sont en même temps très artistiques, très rigoureuses, très techniques. Et puis c'est aussi, c'est essentiellement l'envie de servir les autres et de faire en sorte que l'espace réponde à leurs attentes. Donc, c'est le critère d'un architecte aujourd'hui, en 2022. Comme je vois le métier, oui. Après, chacun exerce, il y a des façons très diverses d'exercer le métier. C'est aussi ça, sa beauté, c'est que chacun voit les choses à sa manière et l'exerce à sa manière. Alors, que pensez-vous de la thématique qui a été choisie, l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur? Je pense que c'est d'actualité, qu'aujourd'hui, par rapport aux fluctuations du marché et aux différents événements des dernières années, la résilience, c'est au cœur de la discussion, c'est quelque chose avec laquelle on vit au quotidien, sur lequel on travaille avec nos clients et qu'on accompagne et qui est une question primordiale. Alors une question primordiale, vous avez raison de le dire, effectivement, le souci par rapport aux questions justement de développement durable, d'écologie, d'économie verte et circulaire, on le voit ici, pratiquement tous les acteurs ont maintenant pris conscience des enjeux, des défis climatiques et de la crise aussi que nous avons traversée. Vous êtes spécialisée dans un certain type de projet? Résidentiel et commercial. On fait du scolaire aussi. Par rapport à la question de la sensibilité aux questions environnementales, ce n'est pas uniquement les acteurs du marché. C'est parce qu'il y a une demande aujourd'hui par rapport aux clients qui sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là, d'isolation, d'efficacité énergétique, de processus, de durabilité. Tout ça, c'est des choses, heureusement, aujourd'hui, qu'on arrive à discuter avec les gens. Et ce n'est plus beaucoup une bataille, c'est quelque chose... C'est surtout une bataille de prix, parce qu'il faut réussir à être bon sur le budget. Mais globalement, la sensibilité est là, de plus en plus, ce qui est une très bonne chose. Très bonne chose, vous avez raison de le dire. Et effectivement, aussi dans ce cadre de vie meilleur, il faut des couleurs, il faut un peu égayer un peu son confort, son habitat. Et pour cela, quoi de mieux qu'une artiste peintre pour proposer des œuvres qui mettent de la lumière. D'ailleurs, on le voit à travers ce que vous faites. Rim Sbahi, ça fait déjà quelques années que vous êtes dans ce domaine, dans ce milieu, donc vous êtes une artiste inspirée. Vous opérez pas seulement au Maroc, mais aussi à l'international, en Espagne. Alors, qu'est-ce qui a changé dans vos inspirations par rapport à ce que vous faites? Comment vous êtes animée par l'envie de peindre? En fait, moi, c'est le retour au Maroc. Quand j'ai fait mes études, j'étais à l'étranger, donc j'étais inspirée par les rues de Barcelone. Et au retour, je me suis reconnectée au Maroc et c'est là où j'ai fait la collection Sound of Colors. C'est des scènes de musique qui principalement au début, c'était des scènes de musique marocaines. Mais là, je me reconnecte avec l'Espagne, donc j'ai fait une scène de flamenco et j'espère faire d'autres scènes de musique. Alors quand vous dites que vous faites une scène de musique, c'est-à-dire que vous
Vous dessinez, vous aménagez ou c'est quoi, c'est de l'aménagement ou c'est de la... Non, en fait, c'est des images que je retrouve ou des concerts où j'y étais. Mmh. Et vous les reproduisez sur des tableaux. Sur des tableaux, exactement, avec mes couleurs et mes personnages. Alors, vous avez mis en espace une galerie durant ce CIB, ce Salon international du bâtiment, qui vous permet, en quelque sorte, de rencontrer des architectes d'intérieur. Exactement. Et pas seulement. Aussi, je pense que vous avez fait de belles rencontres. Oui, effectivement, parce que ça complémente tout ce que les architectes ou les architectes d'intérieur font. Donc, être ici, ça veut dire que je vais rencontrer des gens du domaine et pour des futures collaborations. Et est-ce que, d'après vous, de par votre expérience, est-ce que les gens aujourd'hui ont envie de, enfin, vraiment sont soucieux de décorer leur habitat, leur appartement, leur maison, les bureaux aussi, de mettre un peu plus de joie? Oui, c'est une tendance qui évolue. Et j'ai des clients qui veulent des trucs très originaux, un petit peu de punch, parce que c'est la tendance d'avoir des salons minimalistes, mais avec de la couleur, ben, ça égaye, ça donne de la vie. Puis ça habille l'espace. Exactement. Ça habille l'espace et ça raconte des histoires aussi. Parce que finalement, on fait un espace, mais ce qu'on accroche, c'est ce qui raconte ce qu'on vit. Et puis, on est lié aux objets, finalement. Et elles racontent des histoires. Et les couleurs, c'est pas anodin, ce qu'elle fait. Et vous êtes connecté, vous, en tant qu'architecte, avec ce monde artistique? Bien sûr. C'est des gens que vous sollicitez régulièrement dans vos projets ou pas? Solliciter, non, parce qu'on travaille surtout sur des inspirations et puis sur des tons, des ambiances. Après, le choix final reste bien sûr au client, au maître d'ouvrage. Mais c'est aussi, comme elle disait, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la sobriété parce qu'on est entouré avec de beaucoup, beaucoup d'objets, beaucoup de stimulations. Et l'intérieur, c'est quelque chose qui, de plus en plus, est quelque chose, un endroit sobre et simple, dans lequel des objets vraiment choisis viennent apporter quelque chose, apporter une vie, apporter une ambiance. Exactement. Alors, vous avez mentionné justement cette période de crise que nous avons traversée. Qu'est-ce qui a changé dans les habitudes des gens et dans les demandes souhaitées par rapport aux aménagements que vous proposez? Il y a plus, si vous voulez, de... Je pense que mon ressenti, et par rapport à l'expérience que j'ai, c'est un retour aux sources. Il y a beaucoup de gens qui ont un souci de l'autosuffisance, de l'écologie. On est aujourd'hui en train de travailler sur un projet entièrement en terre, avec une suffisance en électricité, une suffisance avec du photovoltaïque, etc. Donc c'est surtout cette espèce de vie en autarcie, un peu éloignée, pas nécessairement beaucoup, mais en tout cas, réussir à se détacher. Parce que c'est ça, le fait d'avoir été coupé subitement du monde a fait que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup trop attachés à l'extérieur. Et du coup, aujourd'hui, les projets sont plus sur ces types-là, de cette réflexion-là, en tout cas. Et vous opérez sur quel type de... vos projets sont situés où, généralement? Casa Rabat, un peu à Marrakech. Et en dehors de Casa Rabat, Marrakech, est-ce qu'il y a d'autres régions sur lesquelles vous... Aujourd'hui, pas encore, mais j'espère. Non. Même pas l'Afrique? Non, pas encore, non. Parce qu'on a l'Afrique qui est présente. C'est vrai, c'est vrai. Donc, l'occasion de rencontrer des partenaires africains, ils sont très demandeurs. Et j'ai remarqué, nous avons remarqué, justement au sein du CIB, qu'ils sont... Très en attente de l'expertise marocaine sur différents chantiers. Alors, on a un positionnement qui est très fort. Je ne sais pas comment, de par votre expérience, vous avez observé l'évolution du secteur au Maroc. En tout cas, dans notre secteur de maîtrise d'œuvre, il y a une grande demande, comme vous dites, d'expertise. On fait appel à nous pour des appels d'offres, pour des consultations, pour venir intervenir en phase d'avant-projet ou d'esquisse. Donc, c'est des collaborations qui sont bien, on travaille, c'est très satisfaisant dans le sens où c'est de la réflexion et c'est de l'art. C'est vraiment la partie artistique et puis très, très sensible qui vient au début. Après, l'exécution se passe suivant les arrangements, mais se passe plutôt différemment. Alors, Rims Bey, vous avez déjà fait un peu appel à des architectes dans le cadre de projets. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre perception du rôle de l'architecte?
Ben, l'architecte, comme elle a dit, il peut conseiller le client, mais le choix final, ben, il revient au client, puisque c'est la personne qui va voir le tableau chaque jour. Forcément, ce n'est pas tout le monde qui aime ces couleurs-là, mais je trouve que... Il y a pas mal de gens qui s'intéressent à cette originalité et ce punch de couleurs. Alors aussi, par rapport à votre actualité, quelle sera après le CIB? Vous exposez un peu partout ou... Prochainement, le 8 décembre, ça serait à Fès. Mmh. Et puis, après, je crois que j'ai une autre à Fès aussi, deux à Fès prochainement. Mmh. Donc, Et où c'est qu'on peut trouver, justement, accéder à vos œuvres pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? À travers Instagram, je publie tout là-bas. Sinon, mon site web, j'expose les objets et les jaquettes peintes à la main dans des concept stores sur Casa. Mmh. Et ouais, c'est ça. D'ailleurs, on a l'impression que vous sortez d'un chantier. Oui, vous avez fait un peu de peinture. Artistique. Il faut que tu tournes. Ouais. On la voit, la veste, elle a fait un peu de peinture, elle va se retourner. Attends, effectivement, vas-y. Voilà, sortant d'un chantier, on a pu faire de la... C'est un peu ça. Elle a carrément imaginé une œuvre. En tout cas, c'est très joli ce que vous portez. Vous faites ça Merci. Pour hommes aussi? Oui, je fais ça pour hommes aussi. Et pour enfants. Et pour enfants. Ah, ouais. Ah ça, les enfants, c'est adorent. Ça, ouais. Très bien. Que pensez-vous de l'organisation du CIB? Vous qui arrivez pour la première fois ici? Je suis très contente parce que c'est très aéré, très organisé. On accède même les stands qui sont un peu à l'écart, on les voit. Les allées sont... Je suis très contente parce qu'on voit tout et puis il y a une bonne ambiance générale. Je suis très contente. Ça change de... Très bien. Bah, écoutez, ça fait plaisir en tout cas de savoir que vous êtes satisfaite de cette 18e édition qui rassemble des milliers de visiteurs jusqu'au 27 novembre. Et puis, espérons aussi pour Innsmay que vous allez vendre toutes vos œuvres qui sont exposées dans cette galerie éphémère à découvrir. Alors, dans le hall A, et le numéro de l'espace. C'est à côté du CIB TV. Comme ça, il n'y a personne qui va louper ça. Effectivement, elle a donné l'information. En face du CIB TV, venez découvrir, justement prendre un peu d'inspiration et faire un petit break artistique et culturel au sein du CIB. Merci à vous, mesdames. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. Merci.